Plusieurs cas d'assassinat recensés ces derniers jours dans la capitale sont des crimes politiques, selon le coordonnateur général du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimer. Monsieur Mortimer estime que cette insécurité fait l'affaire des membres du gouvernement et juge leur passivité suspecte. Il y a des cas de personnalités, tant que directeur Émile Maquette, nous pas qu'à mettre ça tout dans le cas d'insécurité généralisée. D'ailleurs, la famille dénonçait des menaces qui ont fait sur lui par rapport à Maquette plusieurs fois. Il y a des crimes, c'est des crimes politiques qui ont semblé, ou bien ça qui fait nous dire c'est exécution sommaire, c'est-à-dire des gens qui ont voulu exécuter. Ce n'est pas des tentatives, il a fait tentative pour le kidnapper et pour gommer. Non, c'est des crimes politiques qu'il a fait. Crimes, ça est capable de faire à dessein politique ou bien à dessein des règlements de compte, si vous voulez, en dimension économique. Et à côté des crimes, ça y est, assassinats, ça y est, nous estimons sorti janvier, arrivé novembre, gagner entre 5 à 10 cas d'assassinat par jour. Gagner des jours, situation pis à la main, tout à cas, gagner des journées sanglantes même en Haïti. Mais il y a des cas, même l'on pas tant de la presse parler de eux, c'est parce que soit mon yo, yo pas des personnalités connues ou bien c'est pas des cas qui vivent aux connaissances journalistes. Mais chaque jour, il y a des crimes qui fait naper. 10 cas ça yo nous dit pas joie, nous pas mettre ça nous relait en série de massacres ou bien tueries ou bien en série de scènes violentes, soit gang à gang qui a pas affronté ou gang qui envahit une population tant que il était fait ça qu'a vous fait semaine passée hein. Ou bien encore, la police qui a toqué conne à gang, quel bandit tombé. Ça veut dire nous croyons que la situation de violence ça, li noyé, si vous voulez, des cas qui semblent insécurité ou bien des crimes politiques ou bien des exécutions sommaires ou bien des insécurités politiques. Et une analyse nous fait sur ça, nous dit que question ça, le gouvernement a une responsabilité pour mettre la sécurité dans le pays, hein? Mais comme une situation d'insécurité généralisée, de violence avec, situation ça a rangé le gouvernement. Donc, un gouvernement qui a 16 mois au pouvoir, qui n'a pas ni liquidé les affaires de l'État, qui n'a pas ni parlé d'élection, eh bien, son gouvernement, ce côté des groupes moun, a pas renforcé le pouvoir personnel. Yo. Si yo même qui prend prétexte insécurité qui fait ou pas capable de parler de retour à l'ordre démocratique, eh bien, yo pas d'intérêt tout pour résoudre le problème. Yo même yo a pas alimenté en façon bien l'autre phénomène de violence avec assassinat, crime qu'a fait dans le pays. Et pour ça, personne monde pas jamais osé parler d'élection. D'un côté, il y a pas assassiné des leaders politiques, côté il y a pas assassiné des hommes d'affaires, côté il y a pas assassiné des monde qui ont autorité dans l'État tant que commissaire divisionnaire au niveau de la police là. Tout ne pour parler d'élection, tout le monde a dit ah, j'ai situation de violence là et là, non pas capable parler d'élection. Côté gagné près de 200 gangs groupe armé qui a pas affronté chaque jour qui joue là ou pas dans le nord ou dans le sud, là ou pas dans le sud, ou dans l'est, là ou pas dans l'est, ou dans l'ouest, ou bien il y a plusieurs côtés à la fois, tant que ça passe mardi dans le cabaret, son situation intenable. Donc, encore une fois, question ça n'a pas même attiré l'attention de l'opinion publique, tellement il y a de l'autre forme de violence en dehors. Plus de 96 000 Haïtiens en situation migratoire irrégulière ont